sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles, où les gens dès le matin bavardent de tout et de rien. Bonjour. 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 Le boulanger porte son plateau bien garni du bon vieux pain de son fourni. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont bonjour. Étrangers dans les rues qui pleurent d'ennui. Oh, bonjour, belle. Bonjour, monsieur. Où est-ce que tu vas? Mon ami le libraire, je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un ogre du roi des haricots. Très intéressant. Marie, les baguettes et que ça saute. La tête ailleurs et ce petit air audacieux. La chasse belle, elle ne parle pas notre langage. Elle est toujours dans les nuages. C'est vrai qu'elle est étrange, mademoiselle belle. Bonjour. Bonjour. Salut la famille. Bonjour. Bonjour. Embrasse ta femme. Il me semble, si je... Tu veux nous ruiner. Je veux vivre autre chose que cette vie. Ah, belle. Bonjour. Je rapporte le livre que je vous ai emprunté. Comment ça déjà? Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre? Depuis hier, non, hélas. Ça ne fait rien. Je prendrai celui-là. Celui-là? Mais tu l'as déjà lu deux fois. C'est mon préféré. J'aime les romans de capes et d'épées, plein de magie et de princes ensorcelés. Eh bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau. Mais monsieur... J'insiste. Oh, merci. Merci infiniment. La tête ailleurs avec les rêves plein les yeux, on ne sait pas quoi penser d'elle. Elle a toujours l'air enchantée, tout tourné dans ses romans. Que misère pour nous que cette mademoiselle d'elle. C'est le plus beau des romans, et tout seul à sa chante. Avant le chapitre 3. Il faut bien dire que son nom lui va comme un gant, car sa beauté sans pareil. Mais sous son visage d'ange, elle est quand même très étrange. C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne. Non, elle ne ressemble à personne. C'est qu'elle ne ressemble à personne, c'est elle. Tu ne rates jamais ta cible, Gaston. T'es le plus grand chasseur du monde. Le meilleur. Aucune bête n'a la moindre chance de gagner contre toi. Et aucune fille non plus, d'ailleurs. Aucune, le fou. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette délicieuse enfant. La fille de l'inventeur. Exactement. C'est l'heureuse élue que je vais épouser. Mais... La plus belle fille de la vie. Sans doute, mais... La seule qui soit assez belle et qui a la chance d'être choisie par moi. Oui, bien sûr, mais comment est-ce que tu... À l'instant même où je l'ai vue, ingénue, je suis tombé à... Amoureux d'elle. Elle est la seule ici-bas que je trouve digne de moi. Et je compte bien épouser cette demoiselle. Dilbert, il est à frémir. Monsieur, garçon, quel beau garçon. Mon cœur s'emballe, je vais de faille. Il n'y a plus pour vous de mille grands frissons. Pardon, ça va. Je veux vivre autre chose que cette vie. Je ferai pour un bel, un excellent mari. La tête ailleurs perdue dans son univers. C'est une étrange demoiselle. Elle est fantasque bizarre. Un fossé nous sépare. C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne. Non, elle ne ressemble à personne. Cette fille ne ressemble à personne.